Et on se lève dans le noir le plus total. Sinon, il y a des lucioles, ça va. Alors, la dernière fois, j'ai été surpris. Nous avons un bœuf. Nous avons un bœuf bien nourri. Et j'en ai parlé avec une personne sur pendant que je faisais un stream. Oui, je fais des streams sur Twitch. Il y a quelques personnes qui savent et qui regardent, donc venez nombreux évidemment. Vous avez réussi à ne pas mourir de faim pendant 72 heures d'affilée. Vous êtes en pleine forme et vous pouvez transporter plus d'équipement. Vous êtes également plus à même d'affronter des épreuves physiques qui vous attendent. Par conséquent, votre état est amélioré. Chut, j'essaye de parler, Lee, j'essaye de parler. Donc, pour moi c'est nouveau, je ne connaissais même pas ce buff, honnêtement. Et je dois avouer que l'avoir... Alors je sais plus ou moins ce qu'il y a dans les mises à jour, mais je les lis pas en très très détaillé pour avoir quand même quelques surprises. Et là, je suis assez content parce que j'ai une surprise complètement en direct. Du coup, je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. Donc on a un plus 5. On a un plus 5. Et donc apparemment, plus qu'on m'a dit en stream, c'est qu'on est plus résistant, donc comme ça dit, vous êtes également plus à même d'affronter les épreuves physiques qui vous attendent. Donc en théorie, on a plus de résistance, je sais pas vraiment comment la résistance est calculée, mais contre les loups et les ours et tout ça, donc voilà, si jamais on se fait attaquer, bah on passera moins un mauvais quart d'heure. De toute façon, on va essayer hein, de ne pas se faire attaquer, mais voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt cool. Et on m'a dit, alors pour, moi, je pensais que ce bonus allait disparaître. On m'a dit que ce bonus disparaît si on atteint les 0 calories. Donc en théorie, on pourrait tout le temps l'avoir. C'est intéressant. C'est intéressant. Il fait bientôt jour, donc c'est pour ça que je parle un peu, parce que sinon on voit rien de toute façon. C'est intéressant. Alors on est toujours malade. Faut qu'on boive notre tisane. On est toujours malade. Je me dis, est-ce qu'on a assez de viande pour maintenir ce bonus? Est-ce que ce bonus va vraiment nous aider aussi? Je suis pas sûr. Vu qu'on va pas vraiment se balader... Attends, on est à 30.5. Il faut vraiment que je dépose des trucs. Ah oui, c'est parce qu'on est en train de crafter. Est-ce que à ce moment-là, ça va nous aider ou pas? Je ne pense pas. Je pense pas vraiment que ça soit très très utile. Mais voilà, on l'a maintenant. Je sais qu'il existe. Donc si jamais un jour on doit... On va sortir un peu. Si jamais un jour on doit... donc partir, bah voilà. On sait que... il faudra rester avec des calories pendant 72 heures, comme ça on aura ce bonus et on aura un plus 5 kilos. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, non, ça il faut le garder de côté. 10, c'est pas mal, c'est pas mal. On voit un peu la chaleur. Moins 16. Il n'y avait pas un cerf la dernière fois. Il n'y avait pas un cerf. Je sais plus trop. Il y avait un cerf qui se baladait près de chez nous, non? Ouais. J'ai envie d'aller là. On peut voir un peu le temps. Ouais, moins 16. J'ai envie qu'on se balade un peu. Ah, il est là, je le vois. Pour trouver surtout un bois. Un bout de bois pour qu'on puisse créer un arc, en fait. Parce que je voudrais bien commencer à tirer à l'arc. Je voudrais bien commencer à faire ça. Alors le truc c'est, est-ce que bon, est-ce qu'on garde ce bonus ou pas? Je sais pas. C'est un peu embêtant. Pour nous en fait c'est embêtant parce que comme j'ai dit, on est en survie tout ça et puis on est un peu encore au début. Je vais pousser le cerf, je pense qu'on va attaquer le cerf. On est un peu encore au début et tout, donc on n'a pas... ration illimitée. Si par exemple je pouvais manger du loup à tout va, donc il nous faudrait nourriture, cuisine, niveau 3 ou 4, je crois, peut-être c'est niveau max. On pourrait faire ça. Donc manger de la nourriture de... Manger de la nourriture de carnivore, ça nous...
ça nous affecterait plus. Donc à la limite, oui, je voudrais bien faire ça, oui. Là, on pourrait garder le bonus. On va prendre ça. On commence à faire un peu jour. On va retourner et déposer des objets. Par contre, il est allé où, le cerf? Je pense avoir pris un bon... Je pensais avoir pris un bon... une bonne direction. L'avoir bien contourné. Apparemment, non. D'accord. C'est cool. Bon, ça commence bien. On a déjà perdu le cerf de vue. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors... on va faire ça. Je pense qu'il fait assez jour. I'm gonna need to eat soon. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Comme j'ai dit, on va pas le faire maintenant. Ouais, hop, hop, hop. Ok, très bien. Voilà. Ok, bien. Maintenant on est à 27. 27, c'est pas énorme. Ouais, donc on pourrait manger et garder le bonus. Ah, j'hésite. Ah, ça m'énerve ça. J'hésite. Ça m'embête. Voilà, putain, je l'ai fait. Je l'ai fait, il est là le cerf. Bon. Si on se faisait le cerf, pour de vrai cette fois. Ça commence à m'embêter en fait. Là il fait pas énorme, il fait 23, ça va 23. Il commence un peu à m'embêter ce cerf. La merde. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de loup. C'est cool. Et il faut trouver un bois pour faire un arc à tout prix. À la limite, vous savez quoi, on va se balader. Honnêtement, on va se balader. Ouais. On va partir à la balade. Parce qu'on a le bonus, autant en profiter des 5 kilos en plus. On va aller là-bas. Je sais plus trop exactement ce qu'on avait fouillé, ce qu'on n'avait pas fouillé. Je voudrais bien qu'on... Ouais, il fait trop froid, mais j'aurais bien voulu cartographier la map aussi. Histoire de pas être paumé. On récupère du bois. Un petit caillou. Parce qu'avec les arcs, je voudrais bien... Comme j'ai dit, on pourrait utiliser les arcs pour attaquer les lapins directement. Donc ça ferait de l'expérience. Donc en gros, c'est de l'expérience facile et rapide. Alors que le fusil, bah le fusil, tu vas pas commencer à tirer sur les lapins avec un fusil, quoi. On va pas rester trop dehors, si tu crois. Mais juste au cas où, si on voit des trucs intéressants. Ce serait bien. Puis on récupère un peu de bois vu qu'on en a utilisé la dernière fois. Ça s'est jamais perdu. Merde. Oh. Bois. Je voulais aller par là, mais il y a des bois là. Il y a un loup.
le problème. C'est bon, il a mangé. Vas-y, va-t'en. Je suis pas d'humeur à tirer aujourd'hui, t'as de la chance. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai envie de... Vu qu'on a l'opportunité d'avoir un arc, j'ai un peu envie de... De passer à l'arc en fait. Okay. Très bien. On va peut-être pas quand même tenter le diable. On va faire le tour. J'ai pas regardé le nom des branches. J'ai pas regardé le nom des branches. Celles-là, elles étaient vertes. Verdâtre. Je pense que c'est pour faire des arcs. Je pense qu'on en a deux. Aussi, quand on verra des loups, du coup, là, la plupart du temps, je tire sur les loups pour me défendre. On est allé chasser quelques fois, mais bon, c'était quand même assez rare. On va rentrer. S'il fait froid. C'était quand même assez rare qu'on chasse le loup, vraiment. Mais là, avec... on va reprendre nos pas. Mais là, vu qu'on aura un arc... À la limite, je suis plus en train à vouloir... chasser le loup. Parce que comme j'ai dit, les flèches et tout ça, c'est facile à faire. Quasiment sûr qu'on a les bonnes... On a les bons bois. On va voir. Faut les laisser sécher aussi. Une chose encore une fois, hein, que je répète tout le temps, on est toujours pas allé pêcher. Hein. J'ai vraiment envie d'aller pêcher. Hein. Mais pêcher en survie, c'est un peu... Enfin, en intrus, pardon. C'est un peu le problème parce que... Le vent se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Personne. Parce que, bah oui. Le problème du. Il faudrait que je me réchauffe. Un peu. Ce signal elle va trembler, j'ai peur de. Quoi qu'on peut attendre avant. On fait un arc et après on ira chasser à l'arc. Comme ça on n'a plus besoin de prendre le fusil. Ça on n'a plus trop de balles. Et on va pas partir maintenant. Du coup. On va pas vraiment partir maintenant de cette zone. Donc je dirais pas qu'on a fait complètement le tour. Mais on va dire qu'on a fait une belle partie. Et on n'a pas énormément de balles. On a des balles de réserve. Je sais même plus si on a des balles de réserve. J'en vois pas. Ah, je crois qu'on a même pas des balles de réserve. Alors... Érable vert. Ouais, ça c'est pour l'arc. Je crois que ça c'est bien pour l'arc. Bah c'est parfait. Là on a déjà, voilà. Là on a accompli quelque chose d'intéressant. On a vraiment accompli quelque chose d'intéressant. On va pouvoir faire un arc. Jeune érable, c'est celui-là. Et des boyaux on en a. À la limite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller chasser ou le cerf qui est juste à côté. Comme ça on prend les boyaux aussi. Bon bien sûr la viande hein, évidemment. Mais ou alors on retourne... 5 doses.
Ou alors, on va vers la cabane du trappeur, parce qu'il y a pas mal de lapins là-bas. Il y a pas mal de lapins. Donc, à la limite, on pourrait faire ça. Pour les boyaux, hein, je parle. On va faire ça une heure. Le temps de se réchauffer. On va avoir faim, c'est pas grave. Comme je Ah, dis. starving. Attends. On va encore faire ça une demi-heure. Ça m'induit en erreur tout le temps quand je vois 0,5. C'est une demi-heure, évidemment, c'est une demi-heure, mais c'est pas vraiment. Ça a pas vraiment de logique pour moi de mettre ça. Elle est déjà fatiguée parce que, oui, évidemment, elle est malade encore une fois. Voilà. Oups, pardon, ça, je laisse. Ouais, on peut pas vraiment se balader, hein. On peut pas vraiment aller loin. Il fait quoi là? C'est la moitié de la journée, il doit être midi, même pas midi. Ah, par contre, il doit pas faire très froid. Ouh, cool. Ah, si on peut. Ok, on va faire le cerf maintenant. Je m'en fous de sa position. On s'en fout de la position du cerf. On y va, parce que là, il fait pas froid en fait. Je sais pas si ça va durer. Donc autant en profiter. Ça fait longtemps que je suis pas allé chasser, donc je sais pas vraiment à quelle distance on peut s'approcher. Putain, je me suis bien placé en plus, hein. Avec la dune, comme ça on voit pas du tout. Ça c'est vraiment parfait. Il va m'entendre là quand même. Ah ouais, non, là on s'est super bien placé. Ah la vache. Pro chasseur, pro chasseur. Faudrait que t'avances un tout petit peu, mec. Bon, par contre, oula vache. Ok. C'est pour ça qu'il fait pas froid. Quand il y a du brouillard, la plupart du. Quand il y a du brouillard sans vent, il fait pas très froid, mais bon. Brouillard. Ok, les gens devraient être bien là. S'il commence à s'enfuir, je suis dans la merde. Vas-y, arrête-toi. Bien joué. Bien joué. On prend la viande d'abord. Pour être sûr. On pourrait la découper. Découper une heure. Là, on a perdu le bonus, je pense. Bien nourri, expiré, très bien. Cool. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Qu'est-ce qu'on fait? On avance doucement, on va y arriver. On va y arriver. Donc là, ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas, on a découpé la carrière. Ça, c'est vrai que ça n'existait pas avant. Enfin, ça fait maintenant plusieurs, sûrement 2 ans qu'ils ont quand même rajouté ce système. Mais c'est vrai que ça n'existait pas avant, donc c'était un peu embêtant. Donc là, on a. Ce qui est pas mal, c'est que quand on découpe comme ça, on a directement la peau par terre. Donc en une heure, en seulement une heure, on a la peau par terre, on a les boyaux par terre. Donc ça c'est vachement bien déjà. Et après on a des sacs de viande. Par contre, si je dis pas de conneries, les sacs de viande pourrissent à une vitesse accélérée. Il faut les vider en fait, les sacs de viande. On est aussi loin que ça de la maison. Ouais, ça va. Les sacs de viande, il faut les vider. Parce que c'est pas compté.
Alors attention, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais c'est pas compté comme si c'était un steak qui était mis à l'extérieur, par exemple. Quand il est dans un sac, c'est compté différemment, et c'est comme s'il était à l'intérieur, il n'était pas exposé au froid ou un truc comme ça. Donc du coup, ça pourrit vite. Donc ça, c'est un problème. Bon, bah c'est parfait, on a utilisé une balle, on l'a bien eu. On n'a même pas froid encore. Ah là, non, honnêtement, là c'est top. Là, c'est top. Donc ce qu'on va faire, le reste de la journée, parce qu'elle est, déjà fatiguée, hein, putain, c'est vraiment un calvaire. Là, par contre, là ça devient très pesant, par contre. Le fait qu'elle soit... qu'elle fatigue aussi vite. Donc là, du coup, on a remédié au problème de boyaux, de viande. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Vous voyez, ils sont déjà à 91%, les sacs. Donc il faut les vider maintenant, avant qu'on dorme. Ah, très bien. Il faut vraiment les vider maintenant. Alors, ça c'est cool. Ça c'est encore plus cool. On va mettre boyau avec boyau, comme ça. Je perds pas de vue. Et on a ça maintenant en plus. Oui, honnêtement, là c'est... Ouf, ah c'est cool. On va déposer tout le petit bois parce qu'on a plein de petits bois aussi. On va quand même commencer à peser. Et on avait fait tellement une grosse réserve de bois aussi. La dernière fois. Avant mon petit break. Honnêtement, on est très bien là. Il faut juste faire attention à notre vie. Je suis assez content. Alors, this pack is getting kind of heavy. On va le faire à l'intérieur. Parce que je crois que ça prend quand même pas mal de temps. Alors, attendez. Si je dis pas de conneries, ça fait très longtemps que je peux faire ça. Recycler, donc. Alors, le truc qu'on pourrait faire. Ouais, on va tout recycler. À la main, c'est 40 minutes. On peut le faire à la scie. À la limite, je dirais le faire à la scie. Parce que... Alors, attends. 84%, elle était la scie. Parce que la scie, on a des boîtes pour la réparer, la scie. Oh, ça va, elle a rien vu. Elle a rien vu. On a des boîtes pour la réparer. Et il faudrait du métal. Donc, bon, je sais que le métal, c'est quand même limité. Mais le métal, il y en a quand même pas mal. Hein, donc, aussi, en fait, faut ouvrir. Faut avouer. Donc, bon. Enfin, tout ça pour dire que... Que le couteau et la hachette, on va dire, c'est plus embêtant de les utiliser. Parce que du coup, il faudrait des pierres à aiguiser. Puis après, si le couteau casse, ben, il faut en recrafter. Hein. Ça serait un peu la merde. Alors que la scie, bon, on en a une sur nous. On en avait même laissé une à la forge, si je dis pas de bêtises. Et du coup, pour les réparer, c'est beaucoup plus simple. Par contre, est-ce qu'on a des... Ouais, on a... Ok, on a des aussi un... Honnêtement, c'est vraiment cool, là, ce qui se passe. C'est vraiment sympa. C'est vrai que ça nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement, j'avoue, le coup du fusil. Qu'est-ce que je voulais dire? On a... Mince, j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Oui, on a des petits steaks. C'est pour ça que je fais tout. Parce que normalement, vous avez l'habitude avec moi. Je ferai que les 1 kg, en fait. Je ferai que par kilo, kilo par kilo. Mais là, j'ai plus d'appât. Parce qu'on a laissé le... On a laissé le loup manger notre dernier appât. Donc il faudrait créer des appâts. C'est pour ça que je suis en train de vraiment tout découper. Voilà, parfait. Parfait. Et ah oui, à chaque fois qu'on vide un sac, ça augmente aussi notre carcasse, vous allez voir. Dépeçage.
Ouais, enfin là on n'a pas eu l'icône, mais normalement on a l'icône. Voilà. Oh, honnêtement, c'est cool, hein. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment bien. On aura tout ça à bouffer quand on aura plus de... Quand on sera plus malade, en fait. C'est vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment bien. On a de l'eau en réserve, on a du bois en réserve. On peut facilement durer, là. On a les boyaux, on a encore... On a une nouvelle peau, on a quelques peaux de lapin, on a encore 3 de loup. Là, on est en train de construire ça. Ça, on aura un arc bientôt. J'avoue que c'est bingo. C'est bingo. C'est très très bien même. Je pense qu'on va finir notre temps à crafter, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'elle est fatiguée? On a pris notre dose. Elle est fatiguée et on a pris notre dose. Qu'est-ce que je fasse? Ouais, on a les caisses, donc ça va. Moi, au tout début, je les gardais, les caisses. Je les gardais bien de côté. Parce que je pensais qu'une caisse, en fait, était à usage unique. Donc, du coup... Bah du coup, je les gardais de côté, quoi. C'était important pour moi. Mais en fait, non. Non, non, non. Vous pouvez les utiliser plusieurs fois, quoi. Vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Ah bah il commence à faire nuit, en fait. Wow, la vache. Ah ben... Au final, bah, je veux pas dire, mais on a bien rempli notre journée. C'était rapide et c'était concret, c'était bien. Non, non, on a très très bien rempli notre journée. La merde, je suis impressionné même. Honnêtement, je suis assez impressionné. On a trouvé un cerf, on a... Je vais voir s'il n'y a pas des plumes là. On a trouvé un cerf. Récupérer la peau, récupérer les boyaux, récupérer la viande. Ah oui, la dernière fois, c'est vrai que j'avais oublié. Quand la vidéo est sortie, les commentaires étaient enlevés. Ah, désolé, j'ai oublié de changer ça dans les options de YouTube. Et donc maintenant, ils sont remis, hein, les commentaires, évidemment. Je laisse les commentaires pour ces vidéos-là, parce que c'est mes vidéos et j'aime bien partager avec les gens. Et une personne m'a dit que 200 jours en intrus, et apparemment, de ce que j'ai compris, cette personne avait mis les fusils comme moi, et il a pas trouvé le pistolet. Alors je pense que... Parce que nous, on a trouvé le livre. On a trouvé le livre pour pistolet. Donc, s'il y a le livre, ça veut dire qu'il y a le pistolet, c'est obligé. C'est 100% obligé. Par contre, à un moment, j'en avais parlé dans la 3e ou 4e vidéo, j'ai vu qu'il y avait eu une mise à jour en disant que ils avaient augmenté, enfin ils avaient corrigé plutôt l'apparition des pistolets, des revolvers je parle, car ils étaient apparemment trop bas et dans certaines parties ils apparaissaient quasiment pas en fait. Mais voilà, donc ils sont là, mais voilà. Bon, on va dormir 10 heures, c'est parti. Attends, on a bu. J'ai oublié si on a bu déjà. Oui, on a bu. 10 heures, très très bien. Un jours. Bientôt jour, on a récupéré toute notre vie, très bien. Honnêtement, on a une très très belle journée. On a fait une très belle journée. On va voir si on peut faire pareil. Bon, je sais qu'il fait... Pff, on va sortir d'abord. Man, all I can think about is...
Food! On va d'abord sortir, je vais attendre qu'il fasse un peu de jour, après on re-rentre et on voit à quel pourcentage sont les érables pour le faire les. Oh merde. Pour faire so hungry. L'arc. Est-ce qu'il y aurait des loups près de chez nous? J'espère pas. Juste pour attendre qu'il fasse beau. Enfin qu'il fasse jour déjà. Parce que sinon on voit rien dans la cabane, c'est chiant. Je vais voir si on n'a pas des massettes à récupérer. Des massettes repop. Ah oui, on m'a dit aussi que apparemment le charbon réapparaissait. Honnêtement, ça je savais pas. Il n'y a pas de massette. Apparemment, le charbon dans les grottes réapparaît au bout d'un moment. Bon, ça doit être longtemps, sûrement une dizaine de jours dans le jeu. Un peu attention parce que on sait qu'il y a des loups là. Et on n'a pas d'appât. Il y a des trucs que j'ai déposés, mais il n'y a plus de massette. Oh, c'est quoi ça? C'est un cerf. Did I say I hate being cold? Because I really do. Commence à faire froid, on rentre, il y a du vent. On rentre, on rentre. Il fait froid quand même. Ouais, après ce qu'on pourrait faire, comme j'ai dit, comme j'arrête pas de dire. Pêcher, mais je sais pas si vraiment ce serait utile. Enfin, moi j'aime bien pêcher. Et puis ce qui est bien avec la pêche, c'est que ça vous fait passer des heures à l'extérieur. Mais il faudrait faire un feu en fait. Il faudrait faire un très long feu. Et ça m'étonnerait qu'il passe pas froid. Mais bon, à la limite, la pêche ça sera mieux quand on aura des meilleurs vêtements. Quand on aura genre le manteau du loup. Comme ça, la cape de l'élan aussi serait bien. Toujours pas trouvé d'élan, toujours pas. Je sais même pas si on a croisé un ours, je m'en rappelle plus honnêtement. Oh putain, on voit rien encore. Je sais même pas si on a croisé un ours. Un élan, on en a pas croisé, c'est sûr. Attends, ok, on y va. Oh, je vois rien. Ok, on est bon. Ouais, non, je sais. Je crois qu'on a, croisé rien du tout. Hein. Rien du tout, vraiment. Parce que ça serait bien de. Voilà. Je crois qu'on va pas sortir aujourd'hui. Ça serait vraiment bien qu'on combatte un élan pour faire le sac. Je me rappelle plus le sac, c'est plus 10, je crois que c'est plus 10 kilos. Non, peut-être plus 5. 5, 10 ça serait un peu abusé. Non, c'est plus 5. On va sortir vite fait. Bon, au final, on craft petit à petit, sans pause, hein, sans vraie pause. Je vais sortir un peu, voir s'il y a du bois à récupérer, mais je crois qu'on va pas pouvoir rester dehors. On va vraiment pas pouvoir rester avec ça. Il va faire très froid. Moins 13, moins 12. Ah, ça a l'air de s'améliorer.
Non, ça va, c'est pas extrêmement froid. Ah oui, la différence aussi de tout découper directement. Pour le cerf, là, je parle du cerf. Du coup, il n'y a pas de corbeau parce qu'il n'y a pas de carcasse en fait. On a tout pris. Et bah, ça, c'est un problème si vous êtes après les plumes par exemple. Donc ne le faites pas si vous voulez récupérer des plumes, évidemment. Parce que là, il n'y aura plus rien. Même si vous laissez les sacs et tout, ça ne marchera pas. Ça ne fera pas venir les corbeaux. Les corbeaux vont pas sentir la viande à travers les sacs, en fait. Oh la vache! Je l'ai pas entendu. Lui non plus, apparemment. Tant mieux. Putain. Ok. On va recrafter une heure, le temps de se réchauffer. Et on va aller sur le lac, on va aller sur le côté droit du lac. Il m'a fait peur, lui, honnêtement. Il m'a bien fait peur. M'a surpris. Ok, cool. Ils devraient faire dans l'inventaire, genre quand on commence à crafter quelque chose, que ça fasse un... Attendez, on va passer par là, parce que je veux voir s'il est venu vers nous ou pas, ça m'étonnerait normalement, mais... Ça devrait aller. Parce que s'il vient vers nous, il va falloir combattre. On a encore un fusil avec des balles. Ouais, parce que là, il fait pas vraiment froid. J'ai vraiment envie de me balader. 2 degrés, vous imaginez 2 degrés? Qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, j'ai encore perdu le fil de ma pensée, désolé. Regarde s'il n'y a pas des macèdes ou des trucs à ramasser. Un peu étrange qu'il y ait un cerf là-bas. Peut-être qu'il n'y a pas de loup. Peut-être que les loups ont plus ou moins migré. Ils sont plus sur le lac, mais ils sont plutôt à l'arrière vers le chemin de fer. C'est possible. Et honnêtement, les avoir sur le chemin de fer, c'est un peu un problème. Parce que c'est un peu plus difficile à les voir et à les tenir à l'écart. On va faire ça pour être sûr de pas avoir de méchantes surprises. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus de loot de ce côté. Ouais. On avait fait toute la carte. Enfin, tout le lac, pardon. Tant qu'on ramasse des choses, c'est jamais du temps perdu. C'est jamais de la perte. C'est ça qui est bon. C'est jamais de la perte. Les macettes, c'est très bien aussi. Ah, j'ai vu le cerf là-bas. Je t'entends. Tant que je t'entends, c'est bien. Si je te vois, c'est moins bien. Après, bon, je suis désolé, c'est vrai que c'est un peu...
Un degré. Ouais, vous voyez que là, on pourrait pêcher. C'est seulement un degré. Mais bon, un degré, ça va quand même nous faire perdre de la chaleur. Donc, il nous faut vraiment des vêtements plus chauds. Donc, comme j'ai dit, quand on aura peut-être le vêtement du loup fini et des choses un peu plus épaisses, ça se passera beaucoup mieux et on ira pêcher, du coup. Mais pour le moment, c'est un peu une perte. C'est quoi ça, c'est un mec. C'est un peu une perte parce qu'on va devoir faire un feu à chaque fois. Oh, bonjour. Oakville. On a la carte. Ouais, y a rien. Toi, je t'ai sûrement fouillé. Oui. Oh, on peut aller tellement loin. C'est tellement bon. Qu'est-ce qu'on fait? On se balade encore un peu? J'ai envie d'aller dessiner. J'ai une folle envie d'aller dessiner. Est-ce qu'on va pouvoir monter? Peut-être pas une cheville par contre, s'il te plaît. Juste monter là. Okay. Yes. Vas-y. 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 Non, pas ça. Ça. Être là. C'était où le... C'est où le charbon? C'est là. Ah, très bien. Prends de cèdre, j'appelle. Ok. Il faudrait bien aller là-bas. C'est juste pour faire un peu plus de map, en fait. Un peu plus de cartes. Il y a le cerf en bas. Le cerf, honnêtement, si on a un bon angle, on pourrait complètement... On pourrait complètement le chasser, un ours. On pourrait complètement le chasser. Le cerf, je parle, pas l'ours, pas maintenant. Parce qu'il fait pas froid, du coup on pourrait complètement découper... découper sa viande, en fait. Dans un sens, j'ai envie de le faire, honnêtement. On a un ours, ça y est. Parce que là il y a plein d'arbres. Qu'on n'ait pas de surprise, genre un loup qui traîne. Ok, ça devrait être bien. Ok, bien. Cairn perdu. Ils auraient dû faire en sorte que ça vous donne un petit bonus de chaleur ou un truc comme ça, ça aurait fait cool. On va faire demi-tour, on va faire demi-tour. Je vais voir s'il y a quelque chose en haut. Parce que ça, c'est des endroits que personnellement je prends quasiment jamais, voire que j'ai vraiment jamais pris. Vu comme ça monte. Je sais même pas s'il y a des ressources là-haut. Ok, on va partir parce qu'elle va commencer à avoir froid. Et
Et si jamais le temps devient pourri, on est dans la merde. Non, y a rien, y a rien du tout. Ok, résultat des courses. Bon, on a dessiné. Bon, ça c'est pas vraiment important. C'est juste pour moi. On a vu qu'il y avait pas vraiment de loup sur le lac. Maintenant, on a la raison. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un ours. Donc ça c'est une bonne information à savoir. Ah, il est là-bas. C'est une très bonne information à savoir. Il y a le loup, il y a l'ours. On a un cerf qui se balade. Je sais pas si les ours attaquent les cerfs. Je dirais oui. Donc il y a aussi encore un cerf qu'on pourrait chasser. Si jamais on veut. So cold. So cold. Ah, il est là. Ça va le cerf. Fais gaffe, il y a l'ours qui est de sortie. Et on sait qu'il y a plus ou moins des loups, on va dire, du côté de la voie ferrée. La voie ferrée est un problème, ça. Va là-bas. Ouais, la voie ferrée est un problème. Surtout qu'ils sont quand même assez proches de chez nous, donc il va falloir faire attention. Parce que le niveau de la voie ferrée, en fait, est en montée. Quand on part de notre maison, donc... Rien que le fait d'aller vers la voie ferrée devient très dangereux, parce qu'on voit pas s'il y a quelque chose... de l'autre côté, donc ça c'est un problème. On va faire très très attention. Mais on a un ours. J'aime bien de pouvoir combattre l'ours. Je dirais que l'ours... L'ours, on va le faire avec l'arc ou le fusil. Je sais pas combien... J'ai jamais chassé l'ours avec un fusil. Je sais pas combien de balles ça prend. Donc, personnellement, je pense qu'on va attendre d'avoir l'arc. Parce que je serai plus à l'aise avec l'arc. Même si on est niveau 1. Ce qui est bien avec l'arc, c'est qu'on va pouvoir débloquer des choses comme le saignement. Saignement est très très important avec l'arc. Mais je crois que c'est niveau 3, donc bon, ce serait pas pour maintenant, hein. Mais des choses comme ça. Et chasser avec l'arc va devenir de plus en plus simple. Genre on tire une flèche, on laisse la proie se vider de son sang et on la retrouve mort de pas plus loin, quoi. Ça arrête pas de gueuler là-bas. Hein. Ça arrête pas de gueuler. Ah, et on la retrouve mort de pas plus loin. Donc c'est vraiment 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 bien. Je préfère beaucoup. Je pense que chasser à l'arc est quand même le plus intéressant. Et les balles, comme j'ai dit, on en a peu. On en a quasiment. On en a plus, hein. Attends, je suis pas fou, hein. On en a pas, hein, de réserve. Hein. On les a toutes utilisées. Hein. Ouais. Donc, personnellement, je voudrais ne plus utiliser le fusil. Je voudrais qu'on arrête d'utiliser le fusil. On le garde de côté et puis je sais pas, on le ressort de temps en temps. Pour si jamais on trouve des balles, on le ressortira. Mais je voudrais qu'on arrête de l'utiliser. On va commencer à faire un... If I don't rest soon, I'm gonna faint. Voilà, très bien. Ça c'est fait, 3 doses. On est bientôt guéri en plus. On est bientôt guéri. Donc il faut manger la viande aussi. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois je mange des... Ouh la vache, la couleur. C'est bizarre. Je pense qu'il y aura une aurore boréale. Oh c'est super joli. On va voir s'il n'y a pas des plumes. Waouh, beau. Ça va, mec? Bouge pas, surtout.
Ah, il va sûrement avoir une aurore boréale. Parce qu'on a tout ça en fait, ça c'est bien, on va pouvoir. On aura vraiment de la nourriture d'avance. Mais ça, il faut le vider quoi. Il faut vraiment le vider. Merde, je sais pas regarder combien de. 800, que ça va. Il nous reste 2 doses à prendre. Je dirais que. On va peut-être se goinfrer. Il va falloir un peu jouer malin. Je crois qu'il va falloir jouer un tout petit peu malin sur ça. Il va falloir se goinfrer. Et. Qu'on utilise toute la viande. Alors après. C'est vrai qu'à la limite, j'aurais bien voulu trouver à la place un élan. Parce que le problème, c'est que. On va avoir la viande d'ours. Et la viande d'ours, c'est du carnivore aussi. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et avec l'ours, on va pouvoir faire... manteau en peau d'ours. Non, il en faut 2. On pourrait faire le sac de couchage. Non, il en faut 2. Donc avec l'ours, on va rien pouvoir faire. Oh merde! J'ai cru qu'on pouvait faire quelque chose en fait. Non, en fait, on va rien pouvoir faire. D'accord. Bah mince. Bah mince, c'est même pas... Je vais être honnête, ça serait... C'est plus de la perte qu'autre chose de se faire l'ours. On va avoir de la viande. Et on n'est pas... On va être guéri, donc on va pas vraiment pouvoir se goinfrer avec cette viande-là. À moins qu'on veuille retomber malade. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre histoire. On va prendre un deuxième steak. Ça, c'est une autre histoire. Et on va avoir plein de boyaux, par contre. Ça c'est le bon côté des choses, c'est qu'on va avoir plein de boyaux. Et je crois que là, on aura des boyaux... jusqu'à à vie quoi. Mais ouais, la poêle sera plus ou moins inutile, à moins qu'on en trouve un deuxième, et pour en trouver un deuxième, il faudrait changer de zone, donc bon bah... C'est vrai, je suis un peu deg. Après on pourrait se balader, une fois qu'on aura l'arc et tout ça, on ira se balader, chasser. Comme j'ai dit, on va être assez agressif, hein, honnêtement. Sur cette survie, vu qu'on a rajouté les fusils et tout ça, etc. Comme j'ai dit... Mais merde, il faut qu'on prenne de l'eau avant qu'on dorme. Sinon, on va se réveiller, le temps qu'on aille en bas, on va perdre de la vie, etc. Comme j'ai dit, sur cette survie, on est un peu plus agressif. On a déjà combattu plein de loups et tout ça. Je dois juste une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donc plus agressif, donc c'est ce qu'on va faire, une fois qu'on aura l'arc, là déjà on a bien joué avec le fusil, maintenant qu'on aura l'arc on va y aller. Et on ira comme j'ai dit vers la cabane du trappeur pour chasser les lapins. Honnêtement on ira seulement pour chasser les lapins et ça sera pour tout simplement monter de niveau, s'entraîner à l'arc, voilà, s'entraîner à l'arc. Pareil pour les loups, on les attaquera de loin. C'est parti, on va dormir. Très très bonne journée. Résultat des courses, on a crafté, on a un peu avancé dans le manteau du loup, très bien. On a découvert l'ours. On va bientôt pouvoir faire l'arc dans pas longtemps. On a récupéré des massettes. On a récupéré du bois. On a récupéré du bois aussi. On a 19 massettes. Ouais. Bonne journée. Bonne journée.